Bonjour les amis, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la dernière étape de notre salle. Je vous avais retrouvé la dernière fois pour vous expliquer un petit peu, pour vous présenter le projet en vous disant qu'il y avait trois objets qui allaient être faits. Donc ça y est, nous sommes arrivés à le dernier objet que je vais vous présenter. Entre deux, je n'étais pas venue vous revoir pour vous faire la présentation du coussinet à aiguilles, mais j'ai préféré tout grouper en une seule vidéo. Donc là, je vais vous faire une présentation et à la fin de la vidéo, enfin la deuxième partie de la vidéo, ça va être les finitions dans un premier temps du marque-page, puis du petit de la pochette à aiguilles, puisque le dernier objet, c'est une pochette à aiguilles. Et enfin, du coussinet à aiguilles. J'ai fait dans cet ordre-là, parce que pour moi, c'était plus facile de rassembler des éléments comme ça. Mais comme c'est la fin de notre salle, de toute façon, après, il vous suffira simplement d'aller de l'un à l'autre en fonction de vos besoins et de là où vous en êtes. Donc, écoutez, je suis très contente d'avoir mené à nouveau ce projet avec vous. Je remercie toutes les personnes qui ont participé parce que vraiment, vous êtes adorable, vous avez été très sympa de nous montrer vos avancées, de voir toutes les différentes versions qui ont pu être faites de ce salle, ça m'a vraiment ravie. Et puis je vous remercie aussi d'avoir commandé pour la plupart d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, mes fils pour le faire, donc en version soie et en version coton, en sachant que moi j'ai commencé aussi à broder la version soie. Je vous montrerai. J'ai fait le petit bijou de ciseaux déjà. Je vais vous montrer juste après. C'est vrai que la version soie, elle est plus claire. Mais ça a son charme aussi. Donc, voilà. Je vais, bon, sans plus tarder, je vous montre un petit peu le dernier objet qui a été celui de... Ben, qui est celui de cette partie que je vous donne, que je vous livre aujourd'hui. C'est une pochette à aiguilles, en fait. Donc, toute simple. Hein, avec le petit nœud pour la fermer qui est le petit ruban qui faisait partie de la palette que vous avez donc reçu si vous avez commandé les fils de la boutique. Donc cette pochette à aiguilles, j'y ai intégré aussi une toute petite poche dans laquelle c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais cette petite poche vous pouvez glisser des ciseaux. Comme ça, hop, et au bout j'ai fait ce petit bijou de ciseaux en soie, donc ça c'est la version soie et or, soie et or. Donc bien sûr toutes les explications pour ces finitions sont à retrouver juste après la partie de présentation que je suis en train de faire en ce moment. Je vais vous présenter les différents objets que j'ai réalisés, puisque jusqu'à maintenant je vous avais montré que le marque-page qui se trouve là, donc le petit marque-page avec le recto, le verso, les petites perles. Donc ça je vais vous expliquer dans le tutoriel juste après comment faire le montage des faces et des petites perles, le petit coussin aiguille. Alors, le coussin aiguille, c'est un petit peu particulier parce que lorsque je suis partie pour faire le montage, j'ai absolument pu penser à me filmer. Donc, quand je suis arrivée à la fin, j'ai dit « Ah là, j'ai pas filmé ». Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la vidéo des explications de finition que je vous ai fait les explications sur le petit bijou de ciseaux. Comme ça, ça fait deux en un en plus. Parce que vous avez le même montage en fait. Quand vous brodez une face et vous brodez l'autre face, et au centre vous avez une ligne de point arrière qui va être la pliure en fait de vos deux parties brodées, qu'ensuite on va réunir au niveau des trois faces qui restent, des trois côtés pardon, pas des trois faces, des trois côtés. Et là j'ai intégré des petites perles comme je l'avais fait sur le petit coussin à aiguilles ici. Donc je vous montre la technique de relier les faces, qui était déjà la même technique que pour le marque-page, mais je vous explique comment intégrer des perles, et y compris pour faire éventuellement
S'il vous reste des perles, parce que c'est pas du tout dit qu'il vous en reste suffisamment, dans la mesure où moi au départ j'étais pas partie pour ça, c'est un petit bijou de ciseaux, vous pouvez très bien le monter soit avec une cordelette de lin, soit vous voyez, j'avais fait une fois un bijou de ciseaux comme ça. Donc ça en fait c'est un petit lien que vous faites avec vos restants de fil. Vous les mettez l'un avec l'autre. Je sais pas si j'ai des fils là derrière. Je pourrais peut-être éventuellement vous montrer. Vous prenez plusieurs fils que vous mettez l'un à côté de l'autre. Et ensuite vous allez les rouler, 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 rouler. Et ensuite ça va se. Vous voyez, ça va se. Ça va s'entortiller comme ça. Bon là je vais pas vous le faire, mais c'est des techniques qui peuvent vous permettre de créer des petits liens. Ou alors ça peut être aussi un petit lien tout simple, un lien en lin, tout simplement une petite ficelle en lin. Bon, s'il vous reste assez de perles, parce que en fait on n'a pas utilisé beaucoup de perles, hein, on a utilisé juste un petit peu pour le marque-page ici, et à chaque coin du petit coussinet à aiguilles, vous en avez 2 fois 5. Donc ça fait 10, 20, 30, 40. Et ici, il y en a à peu près une vingtaine. Donc il y a 50 perles en tout. Donc je vous dis, normalement, il doit vous rester une toupie, une facette, et il doit vous rester quelques perles comme ça, qui mises les unes à côté des autres, peuvent faire juste un petit lien sympa. Voilà. Donc dans les explications de montage, je vous présenterai la façon dont vous allez pouvoir relier les faces les unes aux autres. Donc voilà le petit nécessaire de couture que je vous ai préparé, et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez été enfin, que vous aurez été satisfaite du résultat. Donc en fonction de la toile que vous avez choisie, ça sera plus ou moins gros bien sûr, mais ça peut tout aussi bien faire l'affaire. Si votre toile est en 12 fils, vous aurez une pochette à aiguilles un petit peu plus grande, et ça peut être très sympa aussi. Alors donc, pour cette dernière étape, je vous ai fait parvenir, enfin je vous ai envoyé ce matin, pour les personnes qui suivent soit sur Facebook, soit sur le blog, les consignes pour la dernière étape, avec le plan de coupe qui est différent en fonction de la toile que vous avez choisi de prendre. Donc là, moi j'ai mis la toile 16 fils comme exemple, mais en fait là vous allez broder cette partie-là, la partie C'est prime. Donc la broderie, la grille, la voilà. Donc vous ferez bien attention, parce que de la même façon pour le petit coussin aiguille, il y a une partie de la grille qui n'est pas complètement symétrique. Donc voyez ici, les feuilles ne sont pas exactement symétriques d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que quand vous prenez d'un côté ou de l'autre votre toile, faites bien attention quand même d'avoir des repères pour pas pénéloper et pas recommencer. Sur cette partie, il n'y a pas de perles. On n'a pas utilisé de perles. Donc, je vous explique dans cette étape-là la partie à réaliser sur votre coupon de toile. Et puis la grille. Bon, bah écoutez, c'est comme d'habitude. Pour la partie des fournitures, donc essayez de rassembler du papier. J'ai utilisé un papier thermocollant double face qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs. Attendez, je regarde si j'en ai là. Hop, ça se présente comme ça. Excusez-moi pour le bruit. Ce sont des feuilles avec un côté qui est un petit peu râpeux, et l'autre côté c'est la partie qu'on va décoller une fois que vous aurez thermocollé un des deux côtés. Alors, c'est pas une obligation de prendre. Attendez, je suis désolée, ça fait du bruit. C'est pas une obligation du tout de prendre ce type de fourniture pour faire les finitions. Vous pouvez tout aussi bien prendre il existe des ouates qui sont thermocollantes aussi d'un côté, ce qui permet d'avoir une petite pochette à aiguille un petit peu plus soufflée que la mienne. Vous voyez, ça serait pas mal aussi, ça vous ferait une petite épaisseur supplémentaire pour pouvoir piquer les aiguilles.
Ce que je reproche à ma finition à moi, c'est que du coup, ça rigidifie un petit peu l'ensemble, ce qui fait que c'est plus délicat pour glisser, pour piquer les aiguilles. Alors, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est utiliser, mettre à l'intérieur de votre pochette, ici, juste à cet endroit-là, mais je l'explique hein, dans les finitions, une petite feutrine. Comme ça, vous pourrez piquer vos aiguilles plus facilement dedans. Voilà. Pensez aussi à récupérer, à mettre de côté un petit morceau de dentelle, éventuellement, si vous voulez faire un petit rebord en dentelle sur la petite poche intérieure de la pochette à aiguilles. Et puis un tissu contrastant ou un petit morceau de tissu qui pourrait aller bien avec l'intérieur de votre pochette pour faire la petite poche. Voilà, mais écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors j'ai réalisé aussi le bijou de ciseaux avec la version coton, mais je me suis rendu compte au dernier moment que j'avais oublié de mettre la partie argentée. Vous voyez les petits points argentés que je les ai pas mis. J'ai complètement zappé, complètement oublié. Enfin bon, c'est pas bien grave si j'oublie quand même. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si à la fin de la vidéo vous avez encore des questions, ben, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas aussi dans le groupe à expliquer s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, parce que je pense qu'on est plusieurs à avoir parfois des idées, hein. Ça peut être aussi des personnes qui... Parce que moi, franchement, la pochette à aiguilles, je l'ai faite, j'avais jamais fait. Vous verrez à l'intérieur, je vous explique dans le tutoriel que c'est une finition à points invisibles que j'ai fait à la main, et je l'avais jamais faite au préalable. Donc en fait, je me suis lancée, hein, bêtement. J'ai essayé en même temps que vous, peut-être vous essayerez. Il n'y a rien de sorcier, mais simplement c'est un peu long parce que tous les points à l'intérieur, tous les petits points invisibles qui sont là tout autour, bah, faut les faire au fur et à mesure, tout doucement. J'avais mis des petites pinces pour bien maintenir le tout, mais tout est expliqué hein, de toute façon. Après, il y a peut-être des techniques que je ne connais pas qui sont peut-être plus simples ou. Voilà. Aussi, n'hésitez pas à broder. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont lancées aussi dans les broderies au niveau du dos et je trouve ça très très joli. Je pense que vous devriez avoir assez de fil hein, si vous voulez mettre des initiales par exemple ou bien des petites roses là sur les coins. Voilà. Bon bah écoutez, je suis très contente d'avoir pu mener à nouveau ce sale. Bientôt, donc pour les personnes qui voudraient passer des commandes sur la boutique en ligne ou pour mes prochains salons, je suis en train de broder ce petit cœur. Et je vais faire des finitions pareil pour faire soit un petit bijou pendentif, hein, je sais pas encore. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais faire un bijou de ciseaux ou un vrai bijou avec des pierres, des perles tout autour. Voilà, donc les prochains salons, bah justement, j'en profite juste pour vous dire, je serai à Kutzenhausen donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc le 26, 27, 28 et 29 octobre. Au mois de novembre, je vais à Sailly-sur-la-Lys. Je vous mets l'affiche ici. Donc Sailly-sur-la-Lys, c'est un salon qui a lieu dans le nord et qui est un petit peu au-dessus de Lille, au-dessus de Armentières, je crois, et qui a lieu le 25 et 26 novembre. Très 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 agréable ce salon. Franchement, ça sent Noël déjà avant Noël. Par contre, c'est samedi après-midi et dimanche. Hein. Faites attention, venez pas le samedi matin parce que nous on installe le samedi matin. Et donc au mois de décembre, pour terminer l'année, le 9 et le 10 décembre, je vais en Belgique à Ristel, à Gistel ou Ristel, je crois que ça se prononce Ristel. À côté de comment ça s'appelle? Là je voulais. Oui non, ça c'est en français et là j'ai la. Voilà, j'ai la fiche des deux côtés. C'est à côté de. Pas très loin de Dunkerque, en remontant sur la côte. Bon, c'est pas grave, ça m'échappe. Je vais vous le noter en bas.
Donc ça, c'est pareil, c'est un super beau salon et c'est très 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 sympa de retrouver tous nos amis belges. Je suis contente de les retrouver là-haut. Voilà, bah écoutez, sur ce, je ne tarde pas plus. Ça fait déjà un quart d'heure que je vous parle. Il reste 45 minutes de vidéo pour vous donner les étapes. N'hésitez pas à passer si, bah, je veux dire, vous avez peut-être fait déjà une étape toute seule ou tout seul sans avoir besoin des explications. À ce moment-là, regardez bien pour passer et puis aller à l'étape suivante. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Un grand, grand merci et puis je vous dis à très bientôt parce que maintenant je vais concrètement, là, dans l'esprit, je m'attaque un peu à la boxe d'hiver. Donc il faut maintenant que je me concentre un peu sur la boxe. Juste pour vous donner une idée, je pense que je vous en reparlerai courant octobre pour faire des précommandes en novembre avec une sortie soit fin novembre, soit début décembre. Ça pourrait faire un petit calendrier de l'Avent en fait, ce serait sympa. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne continuation et puis encore plein plein de plaisir à broder et plein de plaisir dans les finitions. À bientôt! Donc je vous montre pour les finitions du marque-page. Vos deux coupons sont désormais brodés. Vous avez pu découper tout autour, donc à peu près à 5 mm du bord. On va dire entre 5 et 8 mm. Vous pouvez aussi découper aux angles, mais vraiment très peu, hein. Faut pas que ça soit trop trop proche de la ligne de point arrière pour éviter que ben, il arrive un problème en fait. Donc vous allez maintenant prendre votre aiguille qui était fournie dans le kit pour les personnes qui ont pris le kit, une aiguille très fine pour enfiler les perles. On les enfilera tout à l'heure, vous verrez pour les finitions qu'on va faire. Vous prenez un peu de ce fil en nylon qui est contenu dans le kit aussi, ou n'importe quel fil en nylon dont vous disposez. Et donc pourquoi un fil nylon? Parce que justement, par transparence, on ne le verra pas. En fait, on va faire un montage. On va donc relier les deux faces l'une à l'autre en les reliant par les points arrière qui sont sur cette petite bande qui mesure exactement le même nombre de points sur une face et sur l'autre, ce qui va nous permettre de relier. Ça, je vous avais montré dans de précédentes vidéos cette technique. Je trouve qu'elle est pratique parce ça fait un résultat bien net, bien clair et c'est vrai que vous pouvez le faire aussi à la machine à coudre, mais vous n'aurez peut-être pas le même résultat en fait. Donc on va venir plier la bordure le long des points arrière de chaque côté. Faites attention parce que là vous avez quand même la petite fleur qui indique que vous avez le bas de ce côté-là. Donc si vous voulez que les deux faces soient reliées bien comme il faut, faites attention de ne pas vous tromper. On va mettre les deux faces l'une contre l'autre et ce sont les points arrière qui se trouvent là qui vont être reliés les uns aux autres. Alors là, on voit pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de lumière. Vous voyez? Donc, pour commencer, vous allez glisser votre aiguille. Voilà, au niveau de l'angle, en haut à gauche. Et vous allez donc rejoindre, vous voyez, avec votre aiguille. Moi, je vois pas très très clair en fait. Vous allez rejoindre les points arrière l'un avec l'autre. Et vous allez faire ce lien avec le fil en nylon tout le long de votre broderie, en passant d'un côté et de l'autre.
Le problème, c'est que j'ai toujours mon pied de caméra qui m'embête. Donc, c'est assez fin. Vous pouvez le faire avec une loupe si vous avez du mal à voir. Et comme vous avez le même nombre de points, lorsque vous allez arriver au bout de la ligne, ben vous devez normalement tomber juste. Donc je vous laisse faire ça de votre côté, je fais du mien et on se retrouve tout à l'heure. Voilà donc où j'en suis. Donc vous avez fait le tour comme ceci, tout le côté, et arrivé donc au centre du côté du bas du marque-page, vous allez stopper votre avancée juste à la moitié, au milieu. Je vous conseille de mettre ce type de petite pince pour vous aider à bien maintenir les faces l'une contre l'autre, pour ne pas avoir de décalage, vous voyez, entre les points arrière de la face de devant et de la face arrière. Ça vous oblige à bien conserver le même. Voilà, pour que vous puissiez assembler les points les uns avec les autres au bon endroit. Donc, vous allez sortir de votre petit sachet de perles deux petites olives. Vous voyez, ce sont des perles avec des petites facettes, comme ceci. Donc, deux olives, deux toupies. Donc, les toupies, voilà. Elles sont en couleur argent, un petit peu légèrement transparente. Vous allez sortir aussi une petite perle. C'est pas une perle en nacre, hein, mais c'est une perle couleur nacrée. Et quelques petites rocailles qui sont contenues dans le pack de perles. Quelques-unes, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, une fois que vous êtes arrivé au centre avec votre fil nylon, l'avantage c'est qu'il est très solide, vous allez pouvoir maintenant faire le montage des perles. Donc, vous allez mettre d'abord la grosse perle en nacre, nacrée. Voilà, comme ça, c'est celle qui va être vraiment à la base du montage des perles. Vous allez ensuite enfiler quelques perles de rocaille. Alors, une, deux, trois. Alors, une fois que vous en avez mis 7, vous allez mettre une petite olive. Vous rajoutez 3 perles de rocaille. Et vous mettez la petite perle toupie. Vous voyez? Ensuite, pour maintenir le tout, vous allez remettre une perle de rocaille sur votre aiguille et vous allez repasser dans toutes les perles que vous venez de monter. Y compris la perle en nacre. Voilà, vous faites repasser votre fil au travers et vous, voilà, vous réajustez bien
Vous avez déjà donc une première partie qui est faite. Vous repassez dans le tissu juste un petit peu et vous allez repasser dans la perle en nacre. Mais vous ressortez, voyez, vous ressortez votre aiguille sans rentrer dans les autres perles de rocaille. Voilà. Et maintenant, vous allez faire une deuxième partie de montage comme ceci. Vous allez remettre cette petite rocaille. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Étant donné qu'elles sont bien calibrées, ce sont des Miyuki, vous n'aurez pas de problème quand les perles ne sont pas bien calibrées, quand elles sont, vous voyez, on voit là, vous avez la même distance entre les deux. C'est vraiment des perles de qualité en fait, hein. Donc vous allez pouvoir maintenant reglisser l'autre petite olive. Pareil que tout à l'heure, vous remettez à nouveau trois perles de rocaille. Une, deux, trois. Maintenant, la toupie. Et enfin, vous finissez par une perle de rocaille. Et vous venez, comme tout à l'heure, repasser votre aiguille. En fait, c'est la dernière perle qui va arrêter le fil. Voilà, et vous reglissez dans tout, y compris dans la perle en nacre. Bon, attendez. Vous pouvez faire en deux étapes. D'abord, voilà. Évidemment, mon aiguille est partie. Et là, par contre, vous allez devoir tirer peut-être un tout petit peu pour laisser un petit peu de d'espace. Voilà. Il fait un peu chaud, je suis désolée. Voilà. Voyez? Donc ça vous fait un joli petit bijou juste au bout de votre marque-page. Donc par contre, là, vous allez continuer bien sûr à faire votre couture comme vous étiez parti. On continue à assembler les faces l'une à l'autre en consolidant bien à l'endroit où vous êtes ressorti. Même vous pouvez faire un petit, bon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Vous consolidez quand même, vous faites quelques points d'arrêt là au niveau de la, sais pas si vous voyez bien, il y a mon idée. Bon, le fil est solide, hein, il n'y a pas de raison que ça se casse. Et ensuite, vous continuez l'assemblage des deux faces. Donc, au moment où vous n'avez plus suffisamment de fil, bah, vous en remettez à votre aiguille. Ça va être mon cas, je vais essayer d'avancer encore un petit peu. Vous voyez, il se fragilise là.
fait un moment que je l'utilise celui-là. Bon, je continue puis je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, le petit marque-page est terminé. Donc voilà, une fois que vous avez rassemblé toutes les faces les unes, enfin les deux faces l'une à l'autre, voilà. Donc c'est pas nécessaire de mettre quelque chose au milieu. Vous pouvez mettre une petite, comment dire, une thermocollante, quelque chose pour rigidifier un petit peu si vous voulez. Mais bon, les épaisseurs, les deux épaisseurs de la broderie sont assez rigides, je trouve. C'est pas nécessaire non plus que ce soit trop dur. Voilà. Après, c'est vous qui faites en fonction de vos goûts, bien sûr. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a plu. Pour l'instant, voilà la première partie de notre salle. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous allez continuer l'aventure. À bientôt. Alors, pour le montage de la pochette à aiguilles, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce dont vous allez avoir besoin. Donc, bien sûr, la broderie terminée de votre pochette à aiguilles. Lorsqu'on fixera la doublure, vous aurez besoin soit de ces petites pinces qui sont pratiques, soit d'aiguilles, hein, tout simplement. Un tissu pour la doublure. Peut-être, si vous voulez faire une petite poche à l'intérieur, soit vous prenez le même tissu, soit vous pouvez prendre un tissu qui soit un petit peu, qui tranche un petit peu avec l'autre. Éventuellement, une petite dentelle ou un petit galon. Et ça, c'est un. Alors, le nom exact, je ne saurais pas vous dire, mais c'est double face, c'est-à-dire c'est thermocollant. Vous avez une partie qui va se fixer à votre tissu avec le fer à repasser. Et ensuite, une fois que c'est fixé sur le tissu, il y a cette partie-là au-dessus qui se détache. Et comment dire? Bon, ça peut être utilisé soit pour consolider, pour faire une épaisseur au tissu, ce qui permet de le rendre plus rigide, soit de le thermocoller, c'est-à-dire c'est bien pour faire des appliqués par exemple. Et puis une règle. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, il va falloir que vous preniez les dimensions exactes de la broderie que vous avez faite, donc en fonction si vous avez brodé sur de la 12 fils, de la 14 fils ou de la 16 fils. Moi, j'ai fait ma broderie sur le coupon 16 fils. Et donc, j'ai 18 cm de long sur. Alors. 11,8 cm de large. Donc, les dimensions hauteur et largeur que vous allez prendre, c'est des points arrière du haut au point arrière du bas. Enfin, justement, vous mettez les points, c'est la dimension des points arrière en fait. Parce que la petite doublure que vous allez découper dans le tissu, va falloir qu'elle soit de la même taille que ce rectangle qui constituera la pochette à aiguilles pour qu'avec des points invisibles, ensuite, on puisse les relier. Donc, il faut que ça soit bord à bord. Voilà. Après, vous pouvez faire d'une autre façon, c'est-à-dire vous pouvez aussi découper un morceau de tissu dans votre doublure et vous mettez votre tissu face contre face avec votre broderie, comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir faire éventuellement, hein, si vous voulez que ce soit plus simple, avec votre machine à coudre, vous pouvez faire aussi la couture. En longeant, en suivant les points arrière de votre broderie, et vous laissez une ouverture sur un des côtés de façon à pouvoir retourner vous retournez une fois que c'est tout cousu, vous retournez vers l'extérieur et vous aurez donc tous les bords qui auront été cousus avec la machine à coudre. Il vous manquera plus qu'à faire ici à l'endroit de l'ouverture
quelques points invisibles pour refermer la pochette. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Bon, moi, j'ai opté pour les points invisibles, mais j'ai encore jamais fait. Donc je vais me lancer en même temps que vous. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez découpé, enfin une fois que vous avez découpé votre petit morceau de thermocollant aux dimensions de la pochette, vous allez le thermocoller sur la face intérieure de votre tissu en vous assurant bien de laisser un petit peu de marge autour, parce que cette marge-là, on va la rabattre tout autour de... Pour faire la couture à point invisible en fait. Donc vous faites chauffer votre fer à repasser et vous allez passer votre fer sur le. Attendez, je vais le faire tant que je suis là. Voilà. Donc avec la chaleur du fer, vous voyez, ça se colle. Voilà. Donc là, vous n'allez pas défaire la pellicule dessus, parce que le but, c'est pas qu'on le thermocolle de l'autre côté, c'est vraiment que ça nous serve à rigidifier. Donc c'est pas une obligation d'utiliser ce type de produit. Vous pouvez aussi bien utiliser une petite ouatine thermocollante d'un côté, ou bien il doit exister d'autres choses, mais... Enfin, moi, j'utilise ça parce que c'est suffisant pour rigidifier le tissu. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, moi, j'ai rabattu avec le fer à repasser pour bien maintenir les côtés le plus possible rabattus comme ça, de façon à ce que la couture au point visible ensuite soit plus facile de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez maintenant... votre morceau de doublure. J'ai découpé au coin un petit peu pour que ça fasse moins d'épaisseur. Et vous avez votre pochette. Donc là, c'est pareil, je vais découper un petit peu au coin. Et je vais fixer donc envers contre envers ces deux parties, en prenant bien soin de les mettre l'un contre l'autre. Et ensuite, vous voyez, je vais les rassembler pour pouvoir faire une couture invisible l'une contre l'autre. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai placé beaucoup beaucoup de petites aiguilles. Vous pouvez placer des aiguilles, hein, bien sûr. Moi, j'ai placé ces petites pinces. Et surtout, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut prendre aussi le galon, le ruban de soie. Vous allez pouvoir le couper en deux. Et vous allez le rentrer au niveau de... Voilà, j'ai pas mes deux mains pour vous filmer, mais il faut le rentrer à l'intérieur au moment où vous allez coudre, où vous allez faire la couture à point invisible. Il faut vous calculer bien le centre de chaque côté ici et vous placez une partie du ruban, pas beaucoup, hein, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Vous mettez un centimètre et demi à l'intérieur. Et vous viendrez coudre en même temps le ruban, de façon à ce que vous ayez une partie à chaque extrémité pour pouvoir faire un flot, un nœud, et rassembler les deux faces. À tout à l'heure. Alors, juste une précision, avant de faire ma couture, avant de joindre donc les deux pièces l'une à l'autre, j'ai découpé un petit morceau de tissu. Et j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai placé à l'intérieur un petit thermocollant, j'ai replié les bords, et au niveau de la dimension, je crois que j'ai dû faire 6 cm sur 10. Voilà. Comme ça, je vais placer ce petit morceau en faisant bien attention de... J'ai du mal parce qu'en fait, je tiens mon iPad d'une main et puis j'essaye de vous montrer de l'autre. Je vais coudre cette petite dentelle, toute simple, hein, toute blanche, elle n'est pas teintée. J'ai pris un petit morceau que j'avais dans mon stock de dentelle ancienne
Je vais le coudre le long là. Et ensuite, je vais faire une petite couture pour avoir une petite pochette en fait. Parce que j'aurais voulu mettre le petit coussin à aiguille à l'intérieur pour pouvoir ensuite, vous voyez, quand je referme ma pochette, avoir quand même soit pour mettre mes ciseaux, soit pour mettre le petit coussin à aiguille. Voilà, donc je vais faire ma couture avec la machine à coudre et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc j'ai fait la petite couture. D'abord, j'ai fait la couture de la petite dentelle le long d'un côté. Ce côté-là, bien sûr, je ne l'ai pas cousu. Mais ensuite, j'ai fait la couture des trois côtés de cette petite pochette intérieure sur la broderie, de façon à ce qu'elle soit de ce côté. Voilà, ça va à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand la pochette sera refermée, vous avez le côté brodé qui va se mettre comme ceci. Bon, ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la couture à point invisible tout autour. Alors voilà pour la couture invisible. J'ai donc d'abord pris le fil nylon qui est compris dans la petite pochette que vous avez reçue, si vous avez pris le kit. Donc, il vous faut l'aiguille. Vous pouvez prendre l'aiguille à perles. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que du coup, elle est très fine et elle se fixe bien dans le tissu. Donc, vous voyez, le principe de la couture invisible, c'est que vraiment les points sont pratiquement invisibles. Bon, le fait est qu'avec le fil nylon qui est transparent, c'est encore plus simple. Donc, comment faire? Vous allez faire une couture. Donc, vous allez passer, vous voyez là, le fil est là. Donc, vous allez piquer sur la doublure, le long, juste au-dessus de votre point de sortie, sur la doublure. Et vous allez glisser le fil sur 2 mm à peu près, 1-2 mm. Et vous allez le ressortir. Alors, ça fait un petit peu de bruit. En plus, j'ai toutes mes pinces là qui tiennent les deux faces l'une à l'autre. Hop. Donc voilà. Donc maintenant votre fil il ressort du bas et vous allez donc leur piquer juste en haut et faire une longueur de quelques millimètres. Et vous passez votre fil. Hop. Donc il y a un tout petit rebord, vous voyez, mais c'est pas si, finalement c'est pas si mal que ça. Je trouve que ça ferait une jolie finition. Enfin j'espère en tout cas. Donc maintenant votre fil ressort du haut sur la doublure. Donc vous allez le repiquer en bas, juste en face de votre point de sortie sur la toile. Et vous le ressortez quelques millimètres plus loin. Ainsi, vos deux faces sont reliées par un point qui ne fait que quelques, vous voyez, vraiment tout petit. Donc maintenant, mon fil est en bas. Je le passe juste au-dessus, je repique juste au-dessus dans ma doublure. Et je le ressors quelques millimètres plus loin. Hop là. Voilà. Donc on va faire ça tout le long. Hein. Tout le long de la pochette. Et je vous retrouve quand c'est terminé. Alors voilà la pochette terminée. Je vous montre. Donc, j'ai fait les points arrière, voilà, tout autour de la pochette.
D'abord, j'ai fait un premier côté. Ensuite, au niveau, là, vous voyez, c'est un petit peu délicat, c'est au niveau des coins. C'est toujours un petit peu délicat parce que il faut bien que vous rabattiez, enfin, il faut bien tenir les deux épaisseurs l'une contre l'autre pour joindre à point visible. Ici, à cet endroit précis où il faut mettre le ruban, eh bien, vous passez donc d'un côté et de l'autre des deux épaisseurs. Puisque là, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire des points invisibles comme vous faites d'habitude. Donc, vous passez en dessous et puis ensuite, vous ressortez de l'autre côté. Donc, vous faites ça au niveau des coins. Toujours bien attention pour que ce soit... en fait, que ça ne s'effiloche pas à ce niveau-là. C'est là que c'est plus délicat, en fait. Et une fois que c'est fermé, donc vous avez votre pochette. À l'intérieur, la petite poche. Donc, pour glisser vos petits ciseaux, hop. Là, je vais vous montrer juste après donc la finition du coussin aiguille. Alors, figurez-vous que le coussin aiguille, ben, j'ai complètement oublié de faire les vidéos au moment où je faisais les finitions. Donc, j'ai fait les finitions du petit bijou de ciseaux, puisque c'est exactement la même façon. Vous avez un bord central et les deux broderies qui se juxtaposent l'une à l'autre. Donc vous verrez, c'est exactement la même façon de faire les finitions. Donc je vais vous montrer avec ça. Je vais vous montrer aussi comment on pose les petites perles là. Donc là, sur la pochette, il n'y a pas besoin de mettre de perles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Que dire? En fait, vous voyez, elle est assez rigide parce que j'ai thermocollé en fait. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. En fait, au moment où j'ai fait les points arrière ici, j'avais l'impression que c'était trop. Vous voyez, ça fait trop de bruit, c'est trop épais. Donc j'ai d'abord cousu un côté complètement. Ensuite, j'ai rouvert et j'ai juste enlevé la partie. Vous voyez, comme elle était thermocollée d'un côté, j'ai enlevé l'autre face qui était thermocollée. Et comme ça, j'ai continué à faire mes coutures tranquillement. Et à la fin, quand tout était cousu, j'ai passé un coup de fer pour thermocoller l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, un petit morceau de feutrine pour glisser les aiguilles. Ce sera plus facile. Parce que là, du coup, il y a un peu d'épaisseur. Donc, c'est peut-être plus facile de mettre une petite feutrine ici, ou alors vous mettez rien, hein, vous n'êtes pas obligé, sinon vous mettez vos aiguilles comme ça. Voilà, j'espère que cette étape vous aura plu, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, et maintenant on passe au coussinet de ciseaux, le coussinet d'aiguilles, pardon. À tout de suite. Donc je vous propose maintenant le tutoriel de ce petit coussin aiguille qui était le deuxième objet que nous avions à préparer pour le sale. Donc dans la mesure où je embarquais dans mon enthousiasme, j'ai fait les finitions sans me filmer. Je vais vous montrer la façon dont on procède pour faire ce type de finition avec le petit bijou de ciseaux dont je vous avais offert la petite grille, vous savez, au tout début du sale en fait. Et donc ce que je vous propose de faire, enfin tout du moins, je vais procéder de cette manière-là pour vous montrer la technique. Mais vous voyez cette partie, il faut broder à l'opposé. La même façon que vous avez fait les deux faces, vous savez, il y a à cet endroit une ligne de points arrière qui sépare les deux faces de ce coussinet. De la même manière, vous allez avoir une ligne de points arrière qui va séparer donc le recto et le verso de cette petite pendouille à ciseaux. Donc c'est la même façon de procéder pour les finitions. Donc je vais vous montrer
sur ce petit bijou de ciseaux. Donc déjà dans un premier temps, une fois que vous avez terminé de broder la partie B et B' de votre salle, une fois que vous avez terminé de broder ces deux faces, vous allez couper tout autour de ces deux faces à une distance à peu près de 5 mm. Voilà, vous voyez, on va réduire l'espace des marges autour de l'objet de façon à ce qu'il n'y ait pas une trop grosse épaisseur au moment où on va relier les deux faces l'une à l'autre. Et bien sûr, là c'est vraiment tout petit, hein, donc faut vraiment que ce soit pas trop épais en fait, hein, pas trop large. Donc vous découpez. Bah, un peu comme pour le marque-page, c'est le même système. Donc le marque-page, vous aviez deux faces à assembler l'une à l'autre. Et là, par contre, étant donné que vous avez une ligne de point arrière, vous avez une face à moins. Donc vous voyez, bien sûr, on va plier le petit bijou de ciseau à cet endroit-là. Au niveau des points arrière des côtés, je vous propose aussi de marquer la pliure avec vos doigts. Voilà. De chaque côté. De façon à ce que, au moment où vous allez réunir les deux faces l'une contre l'autre, les points arrière soient bien en face l'un de l'autre. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre une longueur de fil nylon avec votre aiguille à perles. Vous faites un petit nœud au bout. Et vous allez vous installer donc au niveau de la couture centrale. Voilà, à cet endroit-là. Donc vous sortez votre fil à cet endroit-là et le petit nœud va rester donc à l'intérieur de la partie brodée. Donc ici, on va plier et vous allez pouvoir vous rendre compte que les deux faces sont bien l'une en face de l'autre. Je vous propose de faire juste un tout petit point d'arrêt en reliant les deux premiers points arrière. Vous voyez, vous faites un petit point d'arrêt pour bien consolider. Et là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va mettre quelques perles pour faire la boucle qui va vous permettre d'attacher ce petit bijou de ciseaux à vos ciseaux, justement. Donc, on va mettre quelques perles. Bon, déjà, comme il vous reste une, normalement il doit vous rester une facette et une toupie, bah, vous pouvez mettre l'une des deux perles. Vous voyez, moi je mets la toupie là. Donc vous la placez bien à l'extrémité et vous allez pouvoir mettre les perles. Alors bien sûr, pour le petit coussin à aiguille, vous n'allez pas faire ça puisque là le coussin à aiguille, ce n'est pas un bijou de ciseaux. Mais par contre, là où ça sera intéressant, c'est qu'en bas, à ce niveau-là, je vais vous montrer comment on fait pour placer les petites perles comme ça. Là, je vous propose une finition, mais vous pouvez aussi bien, si vous n'avez pas assez de perles ou si vous n'aimez pas trop les perles, vous pouvez aussi mettre un petit lien en lin ou bien un petit ruban d'organza ou bien... vous pouvez tresser aussi les fils qui vous restent de votre broderie. Enfin, qui vous restent. Vous n'avez pas tout à fait fini, logiquement. Mais enfin, de toute façon, si, parce qu'au moment des finitions, vous aurez fini les trois objets. Donc, vous pouvez très bien utiliser les fils qui vous restent de la broderie et faire une petite tresse avec. Et puis, vous les mettez, vous pouvez l'utiliser comme un lien aussi. Donc là, je vais quand même compter les perles parce qu'il faudrait qu'il y en ait autant d'un côté que de l'autre. Tout du moins...
Je ne sais pas trop cette perle-là. Non, celle-là, je vais la mettre en bas. Donc, bah, écoutez, vous allez mettre suffisamment de perles pour que ça soit... que ça vous fasse un petit lien assez long. Donc, je mets les perles et puis je vous retrouve juste quand j'ai terminé. Donc, maintenant, nous allons placer les petites perles qui sont au bout. Donc, on va mettre 4 perles sur l'aiguille. Voilà. Et vous allez en mettre une cinquième qu'on va utiliser pour bloquer les quatre premières perles. Donc, on les met bien au bout. Et on va repasser à l'intérieur des 4 petites perles. Et c'est la dernière perle qui va bloquer toutes les autres. Voilà. Donc vous allez consolider vos perles en faisant un petit point. Voilà, et vous renouvelez l'opération. Vous mettez 4 perles. Voilà. Et vous prenez une cinquième perle qui va servir à bloquer les 4 autres. Donc vous allez repasser à l'intérieur des 4 perles. Et à nouveau, faites un petit point. Voilà, et ensuite vous terminez de faire votre couture jusqu'au bout. Je vous retrouve tout de suite. Mon petit bijou de ciseau est terminé. Donc à la fin, lorsque vous avez donc fait le dernier côté, n'oubliez pas de consolider en faisant un petit point d'arrêt. Hop, je passe. Mon aiguille 2 fois dans la boucle. Je tire bien fort. Et ce que je fais, moi, c'est que je repasse à l'intérieur. Et je sors quelque part. Par exemple, je sors là. Et je vais couper à ras. Voilà. Et voilà mon petit bijou de ciseaux. Donc vous voyez, c'est assez grand pour le passer. Je vais vous le mettre. Donc on fait comme ça. Et voilà. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et puis, maintenant que tous les tutos sont disponibles, ben, je vous souhaite plaisir à réaliser vos finitions. Je vous dis à bientôt. Et puis, bonne broderie et bonne couture.